l'aboutissement d'un projet qui lui tenait à cœur. Si est-il le 21 mai prochain que sortira sur Apple Television, The Me You Can't See, une série documentaire consacrée à la santé mentale, produite par le prince Harry et Oprah Winfrey. Ce lundi 17 mai, une première bande-annonce a été dévoilée. De quoi donner un aperçu des épisodes qui seront ponctués par les interventions fortes en émotion, d'invités de prestige, à l'instar de la chanteuse Lady Gaga ou encore de l'actrice Glenn Close, qui se livreront en toute transparence sur leurs propres expériences. Le duc de Sussex y abordera lui aussi son histoire et devrait notamment insister sur son enfance et sa jeunesse au sein de la famille royale, comme en témoigne notamment la diffusion d'une vidéo des obsèques de sa mère, Lady Diana. Son épouse, Meghan Markle et son fils Archie feront aussi de brèves apparitions à l'écran. L'occasion pour les admirateurs des Sussex de découvrir des images inédites du petit garçon désormais âgé de 2 ans, dans les bras de son père, mais aussi avant qu'il ne soit en mesure de marcher. Le prince Harry enchaîne les prises de parole controversées ces derniers temps. Le prince Harry enchaîne les déclarations au sujet de sa santé mentale en n'épargnant pas sa famille au passage. Le 13 mai dernier, si est-il dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, que le fils cadet du prince Charles a remis en cause l'éducation que lui a donnée son père. Il a notamment affirmé qu'il ne voulait pas que ses enfants reçoivent la même éducation que lui et qu'il avait en partie quitté la monarchie pour briser le cycle de la douleur dont il avait souffert en grandissant. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j'ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance, si est-il peut-être à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont pu ressentir. Je vais m'assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, fondamentalement a-t-il lancé sans détour. Autant de prises de parole controversées qui ne font que creuser davantage la fracture déjà existante avec le clan Windsor.